Eh oui, faut relancer le jeu. Ah. Eh oui, mais je peux pas relancer le jeu et avoir le navigateur en même temps. C'est pas grave, je vérifie donc que tout est lancé. C'est bon, c'est lancé. C'est lancé. Ça. Est-ce que c'est lancé ça? Le tweet est parti. Je pense. Il ne s'affiche pas, mais je pense. Oui, c'est bon, il est parti. Ça. Il me dit diffusion hors de connexion en direct. État du flux, vous êtes en direct. Bon, je le vois pas, mais je lui fais confiance. Ça, il me dit que je suis trop haut, mais on s'en fout. Et donc, tout est lancé. Tout est lancé. Donc Twitter, c'est là. C'est fini. Et on est de nouveau en live sur CO2. La mer des voleurs. Voilà. Alors, peut-être me centrer un petit peu plus. Sea of Thieves. Donc ça, on s'en fout. Alors, sloop. Navigation solo. Alors, après avoir demandé à mon très cher Syllab s'il était disponible, il m'a répondu non. Donc du coup, on va continuer tout seul. Ce qui n'est pas un problème. Le PC souffle. J'ai dit, ah, on va tenter du stream 1080p, ça devrait passer et tout. Le PC souffle sa mère. Je vais vérifier justement qu'il n'y ait pas de lag. Je n'arrive pas à aller sur ma chaîne. Ma chaîne. L'application YouTube qui me casse les couilles. En direct. Je sais que je suis en direct. L'application YouTube ne veut pas charger ma propre chaîne. Une erreur s'est produite. Ma propre chaîne, elle marche pas. On va y aller comme ça, hein. gaming.youtube.com/puffmagicfingers. En direct. Oui. Ferme ta bouche. Laisse-moi. Laisse-moi vérifier. Alors, en direct. Alors. On a l'air d'être totalement fiable. Je vais vérifier aussi que ça lag pas avec le jeu, même s'il n'y a pas de raison. Bonjour Twitch. Je sais qu'il y a quelqu'un sur Twitch. Je vérifie, parce que je stream en 1080p, je vérifie que ça ne lag pas sur les différentes plateformes, puisque d'habitude je stream en 720p, et là je stream en 1080p. Donc je prends 2 secondes pour vérifier, pour éviter que ce soit un carnage. Au cas où. Alors, ça c'est moi, ça c'est mon direct. Est-ce que je suis en mode lag extrême ou est-ce que tout va bien? Non, tout va bien. Eh bah, tout va bien. C'est génial. Je vérifie. Non, le 1080p c'est la vie. On va faire ça. Je vois pas pourquoi je m'en empêcherai alors. La fibre optique, le stream de qualité. Alors, où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, évidemment. Hein, voilà, on va remplir la shop, évidemment. Alors, pas ça, pas ça. Non, pas ça non plus. Ça. On va boire un coup. Voilà. Et on va s'en aller complètement bourré. Parce que c'était ma passion. C'est ça qui me faisait rire. Alors, faut peut-être que j'aille chercher. Ah non, alors j'ai une quête. J'ai une quête que j'ai chopée je sais plus où. Mais j'ai pas trouvé tout à l'heure. Ah ben non, je l'ai plus. Je vais aller voir dans le bateau. J'arriverai pas à y aller.
Je n'arriverai pas à y aller. Va-t-il réussir? Va-t-il réussir à faire 15 mètres? On ne sait pas. C'est la tempête. Va-t-il réussir à faire 15 mètres? Va-t-il réussir à monter sur son bateau? C'est bon. Ça va de mieux en mieux. Donc du coup, est-ce que j'ai un voyage de prêt? Oui? Ben voilà, c'est bien ce qui me semblait. Votez pour ce voyage. Boum. On est parti. On n'était pas. On n'était pas. Alors, voter pour annuler le voyage, non. Hop. Où est-ce qu'il faut aller? Voilà, quête obtenue. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas là. Si, c'est là. C'est ça? La commande tapageuse du pilote l'a livré la cargaison d'un client lors de ce voyage mis à l'épreuve. C'est ça? Avant-poste de Gallon's Grave le 10 avant 4h. Avant-poste de Gallon's Grave. Faut que je trouve Gallon's Grave, quoi. Au moins elles sont nommées. Ah bah c'est juste là! Bah ça va! Il suffit d'aller taper à l'est. Et on a directement ce qu'il nous faut. Alors, l'est, c'est là-bas, donc il faut quand même faire le tour. On va lever l'ancre. On commence par une mission facile. Si quelqu'un est dispo pour jouer, quand vous voulez, hein. Syllab n'est pas dispo ce soir. Alors, vers l'est. Enfin, un demi-tour en bateau. Pas le plus simple. Vers où va le vent? Évidemment, on est contre le vent, comme à chaque fois qu'on part en mer, nous. On n'a pas de cul. Et là, on va se manger les rochers. Hein. En théorie, là j'ai un peu de marge. Donc là, il faut que je remonte un peu vers le nord. Parce que je suis allé trop à l'est. Hop. Voilà, ça devrait être pas mal comme ça. On devrait être pas mal.
Oui, mais c'est pas là que je vais, donc... Parfait. Je pense qu'on est bien placé. Et que c'est là qu'il faut aller. On va juste voir un peu là. Je change l'angle pour qu'on prenne moins de vent pour aller moins vite. Je sais pas si c'est exactement comme ça qu'on conduit un bateau, mais je me dis que ça peut passer. Je me dis que ça peut marcher. Le jeu est beaucoup plus agréable maintenant que j'ai plus de bugs de souris qui se barrent. J'ai un truc à livrer ou j'ai un coffre, mal d'accessoires, coffre d'équipement. Je sais pas trop comment ça marche les livraisons de livrer à cargaison avec client pitoyable lors de ce voyage de mise à l'épreuve. Je vais lever l'ancre quand même, je vais faire 5 mètres de plus là parce que je suis un peu loin. Mais je sais pas du tout comment on livre une cargaison. Je sais, ça se trouve, il fallait que j'aille prendre la cargaison aussi. J'ai absolument pas essayé. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis peut-être dans le flou. Il y a un bateau là-bas, j'espère qu'il ne va pas venir me faire chier. Car je ne sais pas du tout comment ça se passe quand deux bateaux ont envie de se faire chier. Alors il faut que je tombe très très vite. Sinon ça va mal se passer. Et il faut que je jette l'ancre. Ah, ça a frotté. J'aurais mieux fait de rester plus loin. Je pense que... Eh oui, il est cassé. Et il y a de l'eau. Je passe mon temps à péter mon bateau. Bon alors, comment je dois faire? Bonjour. C'est pas un collectionneur. C'était une meuf qui fait du... Voilà. Du... Non, pas elle. What's up, Captain? Until next time, Captain. Poulailler récupéré. Poulailler vide. Ah, je vais le récupérer, en fait? Et j'en fais quoi? Ah, mais alors là, par contre, le problème, c'est que mon bateau est pété. Donc, je peux pas... En fait, c'était là le dock. C'était ici que j'avais garé mon bateau. Attends, pousse-toi.
Qu'est-ce que vous pouvez me recommander? Est-ce que vous pouvez me réparer mon bateau? Comment on fait pour réparer un bateau? Comment... Scarlett? Scarlett, mon bateau? Mon bateau, il va pas bien. Vous pouvez m'aider? Vous pouvez me filer des planches? J'ai des boulets de canon, non, ça m'intéresse pas. Des bananes non plus. Des bananes non plus. Des boulets de canon non plus. Moi, je veux bien tenter de partir, hein, mais j'ai... Salut, Yannick! J'ai des trous dans ma coque. Ça va pas trop le faire, hein, de partir comme ça. Et j'ai un bateau chelou qui est pas loin, aussi. Il est à moitié coulé, mon bateau, non? Ça, c'est mon bateau, non? Je pense que c'était mon bateau. Je suis le seum du bateau. Ça marchait beaucoup moins bien maintenant. Heureusement que j'ai rien dans mon bateau pour l'instant. Parce que je fais que le faire couler. Bon, du coup... Je vais aller voir Michel. Michel. Michel, il me permet d'avoir un navire. Quand tu coules ton bateau, tu vas voir Michel et Michel, il te dit hey, voilà un bateau. Il est à moitié pas coulé. Ouais, mais bon. Je vais avoir du mal à atteindre mon objectif. Et à finir ma quête avec un bateau explosé. Surtout que c'est con de vous faire... Pour l'instant, j'ai coulé deux bateaux. À chaque fois, c'était en me garant. Donc, je suis toujours sur le même truc. Donc, il faut toujours que j'aille sur la même putain d'île. Qui est ici. Qui est où? Je peux dézoomer. Crooked Mast. Est-ce que... Gallant's Grave, c'est là? Il me semble que c'est là. Avant-poste de Gallant's Grave. Je crois. C'est pas là qu'il faut aller. Non, non. Il y a trop de boutons, j'ai du mal à... Oui, c'est ça, avant-poste de Gallant's Grave. Avant 4 heures. Ça va être compliqué. Donc, du coup, j'étais où par rapport à Gallant's Grave? Parce que j'y étais juste à côté et du coup, je dois recommencer. Donc, nord-est. Parce que quand on coule son bateau, on a une espèce de fantôme qui nous dit ah bah tiens. On va vous redonner un bateau, ce qui est très gentil, mais on va vous redonner un bateau pas à côté. Michel. Parce que ce serait trop simple. Donc du coup... Alors c'est toujours compliqué de partir comme ça avec des rochers tout autour. J'ai toujours peur de... Que le bateau parte beaucoup trop sur la droite et qu'il s'éclate sur le côté. Pour l'instant, on a l'air de partir correctement. Une grosse tempête par là. J'ai pas envie. Alors, faut qu'on aille nord-est. Un peu plus à gauche. Bon, il y a une île, mais elle est loin. Nord-est. Mais pas du tout. On voit qu'on a une nord-est. Attendez, si, mais beaucoup plus au nord. Et là, on voit beaucoup plus à l'est aussi. Beaucoup plus au nord. Le bateau dérive. Hop, pleine voile. Michel. Michel.
Qu'est-ce que ça dit? Ça peut se jouer en solo. Franchement, comme tu peux le voir, le problème de jouer en solo, c'est que tu passes ton temps à faire des allers-retours. Tu passes ton temps à faire des allers-retours entre les différents postes, à baisser, monter la voile, et je pense que c'est beaucoup plus simple à jouer en multi. Le problème, c'est que j'ai qu'un seul pote qui a le jeu, et que. Enfin, à ma connaissance, et que là, il n'est pas dispo ce soir. Et que moi je l'ai acheté hier. Donc j'ai pas trop eu le temps non plus de faire le tour de qui avait le jeu et qui n'avait pas le jeu dans les personnes que je connaissais. Du coup je joue tout seul. Quoi. Ouais voilà, donc plus à l'est. Mais ça peut se jouer solo, ouais. Beaucoup plus à l'est. C'est peut-être même cette île-là. Pourquoi il y a tant de lumière? Non mais c'est vraiment juste le coucher de soleil, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc bizarre avec ce coucher de soleil. Alors que non, tout va bien. Ok, plus ouest. Enfin non, enfin là quoi. Bah pour l'instant je me suis pas fait attaquer, donc tant mieux. Tout à l'heure j'ai rencontré des Anglais qui étaient très drôles. Qui ont commencé par me tirer dessus et qui ensuite ont fait « Ah non, on déconne, t'inquiète pas. » Et puis ils disaient « Ah, t'es français. » Et ça leur paraissait très bizarre que je puisse parler anglais alors que j'étais français. Donc on va essayer de pas faire la même connerie que tout à l'heure, on va essayer de pas exploser son bateau sur le bord. Donc pour ça, faut que je tourne à mort. Et merde. C'est mal parti. J'ai recommencé. J'ai recommencé. Putain de bite. Ah là, c'est mort. Hein. Mais en plus, je sais même pas comment on répare le bateau. Ah, il y a des trous. Bois nécessaire pour réparer. Là au moins, je vois les trous. Juste, j'ai pas de bois. Carte de marchand, stockage impossible, on s'en fout, c'est pas ça qui me... J'ai pas de planche. J'ai zéro planche. Si, j'ai... Non, j'ai pas de planche, zéro. J'ai pas de planche ici. J'ai pas de planche ici. Si, j'ai des planches. Est-ce que c'est bon? Ça monte plus. Ça monte plus, c'est bon. Maintenant, et il va falloir y couper. Ah, attendez, parce que je crois que le bateau, lui, il a continué à avancer. On est où, là? Ah oui, là, le bateau, il fait n'importe quoi. Avant qu'on se retape de crochet. Bon, c'est bien parce que j'ai réussi à sauver un bateau du naufrage pour la première fois. Je sais comment on fait maintenant. Bon. Il n'y a plus rien? Parce que ça fait encore des bruits d'eau quand on marche. Non, j'ai plus rien.
L'idéal serait que je réussisse à avancer un tout petit peu. Que j'aille tout droit. Ouais, parce que la voile n'était pas remontée complètement. Donc du coup, je me suis mis à tourner en rond. Et pendant que j'étais en train de réparer le bateau, j'aurais pu juste me reprendre des cailloux, quoi. Comme un trou de balle. Je vais essayer de me garer un peu mieux. Est-ce que je vais réussir? Ou est-ce que je vais repéter le bateau? Est-ce que je ferais pas mieux de juste rester là et m'en foutre? Bon, je pourrais pas faire mieux. On a déjà presque un accès au pont. Ce qui est pas mal. Ah, est-ce que du coup je peux re-récupérer un poulailler? Tu m'étonnes. Franchement, c'est pas si mal. Hein. Je suis pas trop loin. Bon, j'ai pas réussi à sauter. C'était évident. C'est pas gênant parce que le jeu s'en fout un peu, tu peux porter un coffre plein de pièces, ça le choque pas. Voilà, je peux monter une échelle avec un truc dans les bras, ça le choque pas non plus. Donc je n'ai pas de trou. Ensuite, une fois que j'ai ce truc là, à qui je dois le filer? Attendez, avant-poste, inventaire des biens, une poule tachetée. Les caisses à livrer peuvent être... Ah, je comprends rien. Une poule à plumage blanc. En fait, il faut que j'aille chercher quelque part dans un poulailler. Faut que je trouve quelqu'un qui me vende des poules. Mais comment je peux savoir qui me vend des poules? What's up, Captain? Trouver, attraper, larguer. Ouais, mais comment on fait? Où est-ce que je peux trouver des poules, moi? Until next time, Captain. C'est pas si simple. C'est pas si simple quand tu connais pas le jeu. Donc oui, bon, ça c'est un bar, on s'en fout. Quand tu connais pas le jeu, où est-ce que tu peux trouver une... Ok, donc ça, planté. Ça arrive que ça plante. Bon, je vais aller chercher les coffres. Merci pour le follow, Yannick Doc. Me choper des quêtes comme ça j'en aurai. Toi j'ai jamais fait tes quêtes, je sais pas trop à quoi ça ressemble. Ah bah je peux pas, tiens.
Où est-ce que je peux trouver des poules? Et on va chercher sur internet. J'aurais pu me garer là aussi. Bonjour. Salutations of the day. Vous avez des poules? Je cherche des poules. Auriez-vous des poules? It was a real pleasure. Parce que il y a une île où il y a des cochons. J'ai déjà vu. Mais alors des poules? Je vais chercher. Alors je vais chercher. Vous voyez tout mon écran. Oh Trump! Je vais chercher avec Chrome. Merci. Où va-t-il s'ouvrir? Ici. Alors, poulailler. Oui, vous voyez du coup le poule tacheté. Si. Of. He really. Emplacement de tous les animaux, d'accord, donc c'est un truc qu'on est censé connaître, enfin, c'est un truc qu'on connaît en jouant. Du coup, je vais choper cette carte. Alors, attendez, je vais vous montrer ça. Vous allez voir toutes mes extensions. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Alors, des poules. Nous, on est à celui-ci, donc des poules... On en a à Black Matter Enclave ou au Tree Rock Isle. On va aller au Tree Rock Isle, c'est plus proche. Mais c'est con que... Enfin, ça... je vois pas trop, sans tricher, entre guillemets, comment le savoir, quoi. À moins de... Enfin, tu fais de l'exploration et tu te le notes, toi, dans ton coin. Mais il n'y a pas d'endroit où c'est noté dans le jeu. Enfin, pas que je sache. À moins que quand tu ailles ici... Ah mais si, tu vois les poules. Alors ça se voit pas trop, mais je crois que ça, c'est les poules, et ça, c'est les cochons, où je suis complètement fou, et c'est juste des carrés, ce qui est possible. Je ne sais pas. Donc, cherchons des poules. Un tout petit peu, comme ça. Cherchons des poules. Notamment, tu vois, quand on disait, ouais, tout seul, tu dois galérer, genre si les gens t'attaquent ou quoi, l'un des trucs que je trouve très compliqué quand t'es tout seul, c'est justement de démarrer. Parce que tu dois lever l'ancre et vite courir à la barre pour pas te manger les trucs qui sont autour de toi. Donc, très compliqué ce que je fais parce que là, alors on est où? Nous on est là, donc il faut qu'on parte plein sud. Je range ça parce que ça m'énerve. Alors, non, pas là. Non, ça c'est un rocher. Sors du rocher, ne va pas dans le rocher. Il va dans le rocher. On va retaper. Et... C'est passé. C'est passé juste, hein. Allez, pleine voile. C'est passé juste. Je vais vérifier quand même qu'il n'y ait pas de l'eau dans la cale. C'est bon. On est passé un poil de cul. Donc, maintenant qu'on est en pleine mer, ça les fesses, c'est ça. Alors, je vais pas du tout au bon endroit là. C'est complètement plein sud qu'il faut que j'aille. Et du coup là c'est plus sud-ouest. J'ai un peu du mal à comprendre si du coup c'est la grosse île qu'on voit juste en face de nous ou pas. Parce qu'on voit pas trop les rochers qui est autour. Et du coup je pense que oui ça doit être ça. Parce que logiquement c'est la seule île. Donc ça doit être celle-ci.
Il faudrait qu'on tienne le cap. Ouais, donc ça doit pas être ces rochers là, ça doit être le truc en face. Très compliqué ce que je fais parce que là si je monte et qu'il y a un problème, là, je suis obligé de redescendre super vite, ce qui est compliqué. Je pense que c'est du coup cette petite île. Je viens de me péter la gueule. C'est compliqué hein, de diriger son bateau tout seul. Hein. Je pense que c'est cette île. Je vais vérifier, oui c'est cette île. C'est ça. Ah. Hop. Remonte. Elle remonte pas. Je suis un peu loin, mais bon c'est grave. Je dois me trimballer un... Ouais, alors ça, le coup de l'eau qui bouge comme ça et tout, c'est vraiment très bien fait, ouais. On s'y habitue, hein. Au début, c'est un peu le bordel, mais après, on s'habitue un peu. Alors, faudrait juste que je descende un tout petit peu. Un tout petit peu. J'aimerais juste me rapprocher un tout petit peu. Voilà. Pas plus, hein. Ça me suffit. Peut-être pour repartir que ça va être le bordel. Alors je vais chercher mon poulailler. Non, pas ça. Comment on fait? Ça. Ah, c'est clair parce que je suis en train de me choper une tendinite. Ouf. Je sais pas comment on attrape les poules. Effectivement, je vois des poules. Ah merde, j'ai vu. Donc j'en ai une. Ah. Elle va peut-être finir noyée, on ne sait pas. Donc j'ai une poule blanche, mais je crois que c'est pas du tout ça qu'il me fallait. Qu'est-ce que j'ai, moi? Une poule tachetée et une poule à plumage blanc. Donc si, une poule blanche, c'est bon. Et sauf qu'il me faudrait une poule tachetée également. Est-ce que ça, c'est considéré comme une poule tachetée? Non. Ah putain, mais ils me font super mal! Est-ce que j'aurai une banane? Oh, il y a des gens! Et j'ai presque l'impression qu'ils se mettent sur la gueule. Ah mais non, mais c'est mon bateau, ça! Le gars a éclaté mon bateau! Franchement, s'il l'a coulé, ça va m'énerver. Je vais vérifier. Je vais vérifier. J'espère qu'il n'est pas en train de couler le bateau.
que je vois des trous, mais c'est peut-être les trous de tout à l'heure. En plus, si je peux choper une banane. Oh putain! J'ai des planches, non? Y'en a d'autres ou pas? Trou du cul! J'imagine. Pour moi aussi, elle était priceless. C'était. Oh non! Parce que bon. Ça commence à. Ah, j'ai oublié de prendre des bananes, je voulais manger. Ça commence à être un peu relou de faire des allers-retours juste pour choper les poules. Oh putain, il y a encore un connard. Ça marche pas très bien. Ah mais il bouffe une banane lui. Donc moi j'ai ma poule blanche. Faut que je trouve une poule tachetée. C'est tachetée ça. Moi je la trouve tachetée elle. La question est, est-ce que je peux mettre deux poules dans le même truc? J'ai l'impression que non. Génial. Ah mais non, mais il y a un trou du cul qui est en train de tirer sur mon putain de truc. Mais trou du cul. Mon putain de bateau. Est-ce que quelqu'un t'a demandé quelque chose? En plus, t'arrives pas à tirer dessus, t'es trop loin. C'est pas aujourd'hui qu'on va récupérer nos poules. Hein. J'aurais pu revenir avec, cela dit. Bon, il n'arrive pas à tirer dessus. Mais je suis largement en train de couler. Du coup, ce que je propose. Ah non, parce que ça te fait popper un bateau à chaque fois, mais. Non, mais j'aurais même pas le temps. Je vais aller le voir lui à la nage. Et je vais aller lui def. J'arriverai jamais à la voir, mais bon. Je pense qu'il va se barrer. Et que je me retrouverai comme un con. Il me voit arriver. Ah merde, il m'a eu direct. Mais il avait l'air beaucoup plus avancé que moi. You dead? You dead? We dead? C'est très beau quand on est mort. You dead? Bon, eh ben, on est mort. Hein. Où est-ce que je suis du coup? Bon, eh ben, c'est mal parti. Salut Yannick. C'est très beau quand on est mort. Je dis ça, je m'en souviens pas. Je me souviens même pas que je viens de le dire. Mais c'est vrai, c'est très beau quand on est mort.
Bon, c'est chiant. C'est chiant. J'ai toujours ma mission là de aller chercher 3 poules là. Je vote pour annuler le voyage. Je vote pour faire un autre voyage. Genre un truc comme ça. Ça au moins c'était cool. Dis-moi Angé, t'aurais pas un PC ou une Xbox One? Et on pourrait jouer à ce jeu toi et moi? Parce que je pense que c'est le genre de jeu qui pourrait être cool avec toi. Ça nous rappellerait les parties de Minecraft, mais sur des bateaux. Faudrait que j'essaye de convaincre Phil aussi. Donc là, j'ai levé l'ancre, mais je sais pas où je vais, hein. Alors, pas là, pas là, pas là. L'idéal, ce serait que j'aille vers un avant-poste. Voilà. Donc, le sud. Ah, mais alors, c'est soit PC, soit Xbox One. Ils n'ont pas PS4. Bah, GTA, par contre, on l'a sur PS3. Mais je pense pas que ce soit compatible avec. Oui, il est parti de PS de GTA. Ouais, ouais c'est sûr qu'on passait des soirées sur GTA à une époque. À sauter par-dessus les hélicoptères. Voulez-vous installer Git pour Windows 2.16? Non, pas maintenant. Mes filles sont en train de passer du côté PC de la vie. Il a même GTA 5 sur PC maintenant. Même s'il l'a aussi sur PS. Mais tu l'as pas GTA 5 en jeu parce que. Il me semble qu'on n'a pas joué à GTA 5 avec toi. On a joué un peu avec Phil, mais pas avec toi. Alors qu'on s'était fait plein de parties sur GTA 4. Et GTA 5, franchement, vu qu'ils ont tout misé un peu sur l'online à un moment. Il est vraiment. Enfin, il y a plein de trucs à faire, quoi. Il y a plein de missions, on s'est passé des soirées dessus. Ah, mais tu l'as sur PS4. Mais je sais pas si c'est compatible PS3, du coup. Je pense que c'est des online à part. Bon, en attendant d'arriver. Je vais refaire le tweet pour dire hey, on est toujours en live. T'es en train de me faire acheter un PC de jeu. Je sais pas. Je sais pas, moi j'en ai un. Non mais franchement, tu peux t'en faire un pour pas trop cher, je pense. Enfin, le prix d'une console, quoi. Genre 500 balles ou 600 balles. Un peu plus cher peut-être. Peut-être 800 balles. Mais après, il est censé durer plus longtemps. Alors, j'ai complètement dérivé. C'était par là. Je vais encore me retrouver à devoir faire un créneau en bateau, ce qui est totalement impossible. Quelle belle aurore boréale. Après, enfin, moi, je me suis acheté un PC parce que j'ai pas trop vu l'intérêt de la PS4 ou de la Xbox One par rapport au PS3 et au Xbox.
Pour l'instant, je me suis pas tant trompé que ça, parce qu'il n'y a pas énormément de jeux qui m'ont fait regretter de pas avoir de Xbox One ou de PS4. Plus de PS4 que d'Xbox One, parce que de toute façon, les jeux Xbox One sont dispo sur PC les trois quarts du temps. Eh, hey, je suis pas mal là. Hein. Je suis pas parfait, mais je suis pas mal. Par contre, il y a encore un bateau. J'espère qu'il va pas me tirer dessus comme tout à l'heure. Ah, il y a des poissons et tout. Bon, par contre, pourquoi je venais là? Parce que j'avais pas besoin de venir là en fait. Mais si! Mais quels sont leurs réseaux, les trous du cul qui te tirent dessus quand t'es hacké? Putain, mais c'est ouf ça! Mais pourquoi vous faites ça? Quel intérêt? Ça se voit que j'ai un petit bateau de merde, que j'ai rien dedans. Je suis hacké, ce qui veut dire qu'au pire, je viens rendre des quêtes. Donc du coup, si je viens rendre des caquettes, j'ai rien sur moi, enfin j'ai rien dans le bateau, parce que je ramène les quêtes. Du coup, ça n'a pas de sens. Du coup, je vais attendre que vous me couliez et je vais repartir. Mais c'est insupportable. Bonne soirée, MJ. Il va couler, ce bateau. Hein. Ça m'étonne qu'il soit pas encore coulé. Ah mais en fait il a jamais touché en dessous du truc. On va tenter. Ah, c'est moi qui me suis pris. On va tenter de faire quelque chose. On va tenter de faire quelque chose. Pas du tout dessus, sûrement. J'étais pas du tout dessus. Je sais pas à quoi ça sert de couler un bateau en fait. J'imagine qu'il doit y avoir un intérêt, sinon les gens ne le feraient pas. Mais je ne le connais pas. Je ne sais pas à quoi sert le coulage de bateau. Je suis pas du tout dans le bon sens. Bon, sinon on va passer par là. J'ai plus bougé. Ah bah là je coule. Je coule sévère même. Allez, ciao. Ça me saoule. Je peux pas s'aborder là, comment on fait? Si, mon équipage, s'aborder le navire. Oui. Franchement, là, c'est vraiment pas la partie. Il m'arrive que des merdes.
Enfin, c'est pas qu'il m'arrive que des merdes. Il m'arrive que la même merde. C'est-à-dire des trous de balles qui viennent couler mon bateau sans raison particulière, quoi. Juste pour faire chier. Ouais, ok. Mais du coup, quand est-ce qu'il s'aborde ? Ah, c'est là qu'il faut. Ah, tiens, il est là. Au pire, je meurs. Ah mais il est là, il est en train de nager. Pourquoi ? Je l'ai buté. Trop du cul. C'est ça d'être un pirate. Ça se trouve, il avait des trucs cool dans sa cale. Il avait pas de trou dans sa cale. Cool. Il est là. Il m'a eu. Il respawn sur son bateau. C'est nul. Pourquoi tu respawn sur ton bateau? C'est tout pourri. Allez. Coucou les cochons.
Je suis dans le cul. Je sais pas où est-ce que j'ai un bateau ici. Ah, il est là-bas, mon bateau. Il est là-bas, mais bon, vu l'heure qu'il est, j'ai sûrement coupé le live. Je pense que ce sera beaucoup plus amusant à plusieurs. Je pense... aussi, également. Putain, mais ces trucs-là, je suis sûr qu'il y a... du sens. Il doit y avoir un sens caché à ces trucs-là. Ciao. Ok, donc quand tu sautes dans l'eau, même s'il y a un mètre de hauteur, il n'y a aucun souci. Je pense que je vais couper le live ici. Je verrai pour mettre des replays. Comme la meuf dans Alien sur YouTube. Je verrai. Bon, on va couper le jeu. On va couper le jeu. Je vais me mettre comme ça. Coucou. Ah, j'ai la petite bouche qui part en rouge. Ça arrive des fois quand la webcam déconne un peu. Et on va. Je vais voir la webcam configurée. Le chien pète un câble. Et je coupe le live. Bonne nuit.